On m'a souvent dit que boire debout ce n'était pas bien, et d'après certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait carrément interdit cela. Du coup, j'ai fait quelques recherches et voici ce que j'ai trouvé. C'est scientifiquement prouvé, le fait de boire debout a un impact négatif sur la santé. Premièrement, lorsque vous consommez de l'eau en position debout, elle coule vers le bas de l'intestin et éclabousse sur le mur de l'estomac. L'éclaboussure soudaine de l'eau peut non seulement endommager le mur de l'estomac, mais aussi les organes environnants et le tractus gastro-intestinal. Le fait de pratiquer cette mauvaise habitude à long terme pourra même perturber le fonctionnement du système digestif. Deuxièmement, la filtration de l'eau par les reins est affectée par la consommation de l'eau en position debout. En raison de la filtration insuffisante, les impuretés pourraient se rassembler dans la vessie, les reins et le sang, causant ainsi des dommages aux reins et des troubles urinaires. Troisièmement, la consommation de l'eau en position debout perturbe l'équilibre des fluides corporels et provoque une accumulation excessive de ces fluides dans les articulations, causant ainsi l'arthrite. L'arthrite est due à la pratique de boire à la longue de l'eau en position debout. Quatrièmement, boire debout peut causer une tension nerveuse dans le corps. Le système sympathique du corps est activé en consommant de l'eau en position debout. Comme nous le recommande notre prophète, paix et bénédiction sur lui, ainsi que les scientifiques, pour boire, prenez le temps de vous asseoir et de boire en plusieurs fois.